Conditions en légère amélioration en ce début d'après-midi sur la caméra. Bonjour à toutes et à tous. On a un temps qui est variable, une température extérieure à 14, une température de l'eau à 13, une marée qui monte, le plein haut 16h50, coefficient grande marée 91. Sur cette marée qui monte, le vent est repassé au sud. Il est modéré, il y a deux beaux-forts établis, des rafales à 3, le plan d'eau au bord est ridé. Au large, c'est ridé clapot, les phases de vagues sont ridées à lisse, là où les multipiques, un peu moins agitées, mais elle l'est encore. Une houle longue de 11 à 10 secondes de période, orientée ouest à ouest-sud-ouest, qui est en léger repli. Il y a 1m20, 1m50 en déferlement régulier, 1,80 sur les séries qui rentrent fréquemment. Et on a un petit 2 mètres sur les grosses, des vagues qui dépassent d'une tête la taille d'une personne. Alors la barre est facile à franchir, les vagues sont sélectives à réserver pour des surfeurs confirmés. La gauche de la digue sud, pas top. La gauche au large du Cayoc, des fois ça arrive à dérouler un peu. Et il y a même un peu la droite là qui se met à fonctionner par moment. Je pense qu'avec plus d'eau, elle va être un peu plus fonctionnelle. Mais c'est quand même assez agité, c'est pas terrible. On arrive devant la mer, on se dit bon, c'est quand même plus agité qu'autre chose. Même si c'est en amélioration par rapport au début de la journée. Il y a des surfeurs qui checkent les conditions, mais il n'y a personne à l'eau. Ça vaut toujours la note de 1 sur 5. Il y a quand même quelques bouts qui passent. Là où il y a les meilleures vagues, c'est la gauche au large et la droite au bord. Là, la gauche de la digue sud, là, elle a un peu disparu. Il y a beaucoup de courant et puis elle finit sur les rochers, donc c'est pas évident. La gauche au large du Cayoc, elle arrive à dérouler par moment. Un peu plate, un peu molle, mais c'est celle qui fait le moins de sections. Et la droite au bord, là, du côté de la digue nord, elle est ultra creuse par moment. Et par moment, elle vous titille un peu, elle vous fait un peu envie. Donc là, on voit la gauche au large, un peu plate, un peu molle, qui décale, mais qui arrive à dérouler un peu. Et regardez la droite, là. Alors, à marée basse, elle n'y était pas. Mais là, avec le menton, hop, elle se remet à le faire un petit peu. Bon, c'est pas foufou, mais c'est à surveiller. Quoi qu'il en soit, sur la fin du montant, le vent peut se calmer, les vagues vont rester agitées. On attend à 17h50 à 2 mètres, ou d'ouest à ouest, sud-ouest, 10 secondes de période, vent de sud de 3. S'il y a une session à se caler à la cano aujourd'hui, c'est maintenant. Et il faut être motivé. Sinon, on se retrouvera demain matin à la première lueur du jour pour le premier bulletin. Merci.